Salut. Oui. Attends, interview. Attends, ma chérie. Attends, tu es célibataire? Non. Mince. En tout cas, c'est quoi tes questions? Oui, dis-moi un peu. Le début de cette CAN-là, est-ce que tu savais que la Côte d'Ivoire allait gagner? Ah, en tout cas, moi, la seule conscience que j'avais, le seul pronostic que j'avais, c'était en fonction des marabouts. Mais quelque part, je savais que les Ivoiriens s'étaient associés aux Béninois, les Béninois étaient associés aux Togolais, les Togolais étaient associés aux Camerounais, qui d'ailleurs ont perdu. Mais tout le monde était associé pour voir et faire en sorte que la Côte d'Ivoire gagne la CAN. Voilà. Donc tout le monde était pour que la Côte d'Ivoire gagne la CAN. Ma chérie, ben, oui, c'était évident. Vibrer, la vibration, c'est simple. C'est facile. Le Congo, elle a déjà la vibration ici avec le ndombolo, avec la danse, avec le sérieux. La vibration est déjà là. Tu parles de quelle vibration là maintenant? Attendez, coupez. C'est quelle interview? Non. Moi je parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui vient de gagner. Attendez, coupez les calais. Attendez, c'est quel média? Moi je cherche CNN. En tout cas, non, coupez.